C'était comment la rencontre? Vous étiez bourré. Bah là on veut des détails, c'est-à-dire où? C'était où? C'est chez des amis. Chez des amis que vous connaissiez pas? Et dès le premier soir, il y a eu... Vous n'êtes pas d'accord sur la soirée? Vous n'êtes pas d'accord sur la soirée? Bah écoutez, on va s'asseoir, on va vous écouter. C'est-à-dire... Vous avez passé de balai fou, là. Vous avez passé... C'est grave. C'est quoi cette soirée balai? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un petit date? En rangement de soirée. En rangement de soirée. Ah ouais, toi, je connais. Charo, 6h du matin, il reste plus qu'elle. Je pense que là, elle a besoin, elle a envie de faire le ménage, là. Alors chez lui, il fait jamais le ménage, hein. Mais là, tu sais, 6h, t'as envie de ken, tu dis, moi, bien sûr, rien. C'est du propre, mon émission préférée. En gros, voilà, donc ménage, et à la fin, rien, juste un petit... Non, rien, on s'est raté un an après. Un an après. Bon, bah, écoutez la suite. Plus on avance, plus il y a des infos, hein. Alors, c'est-à-dire, pourquoi un an, il s'est passé quoi? T'avais perdu son numéro. Mais frère, tu prends en 97 ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas Instagram, Facebook, ça n'existe pas. Et tes amis, ils connaissaient pas son nom. Genre, elle est venue à la soirée. Moi, je viens juste faire le ménage, vous savez. Moi, je suis pas invité à la base, hein. Je viens juste. Moi, je viens faire le ménage. Et si je me suis une bite, oui, alors... C'était comment ta première fois, toi? C'était à quel âge, toi? J'ai 32 ans. Je crois que t'es le seul qui n'a pas compris la question. C'était à quel âge la première fois? J'ai 32 ans. 32, hein, c'est ça, chérie, 32 ans. On l'a fait hier. Je sais pas, elle est venue avec du truc vaisselle, là, ça. C'est parti, quoi. C'est un peu de bulle, mais sympa. Sympa. Une première fois de qualité. C'est presque ça? Oula, attends, tu me fais peur là. C'est-à-dire, c'est presque ça? Non, on est en train de se perdre. Ah, ben non, frère, on n'en est pas en train de se perdre, on est vraiment en train de trouver quelque chose là. Quelqu'un, quand je lui dis, t'as fait une première fois avec du pec citron, qui me dit, c'est presque ça? On a envie de savoir. C'est-à-dire. Frère, il a baisé la femme de ménage. Il avait 15 ans, la fille, ça tout diable. Bonjour. C'est quoi ta première fois? Ma première fois. Ouais. C'était à 20 ans. Et à quel moment arrive le pec citron? Longtemps, pas plus. Uniquement avec elle. Oh, bah ça m'intéresse encore plus. Uniquement avec elle, c'est-à-dire. Moi, je vous imagine vraiment la première fois, vraiment, ils ont fait le ménage, après ils ont fait. Allez! Ventre et glisse, on peut pisser comme ça! Attends, elle est en mode. Je ne sais pas où tu vas, là, chérie. Notre amour allait bien à la base. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un plan à trois avec du pec citron. Mais attends, le pec citron était là de l'autre personne? J'adore ce rire, hein. Faut le savoir. Hein. On est sur un... Tu sais, en plus, vous avez vu, c'est... Ça, en vrai, c'est pas les rires au début quand tu te mets avec une meuf, c'est mignon, tu sais, en mode, ah, elle est sympa, et au bout de 10 ans, arrête de rire! C'est sûr! Et toi, on te met du pec dans le nez. J'en rêve. Oh là là, puis cette bouteille qui reçoit. Tu vois, elle a envie de me pécho un peu, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bah, château ou quoi là-bas? Ouais, j'ai pas de metteur en scène, comme vous l'avez compris.